coup le vlog. Salut le vlog. On a chaud, beaucoup trop chaud. On est en train de suer. Je pense que j'ai conscience de tous les pores de ma peau actuellement, puisque chacun te sue. Et c'est un petit peu difficile à vivre. D'ailleurs, toi, tu as une manière de... voilà, hein. Chacun son style. Regarde, mais ça. Lola mange du gâteau. Elle mange du gâteau, ouais. Et donc, évidemment, on écoute les L5 de l'air. Parce que de l'air, c'est une question de survie. Est-ce qu'on peut voir ce super t-shirt que Mythique m'a offert? Juste pour montrer ses seins. J'en ai pas. N'essayez pas, j'en ai pas. Est-ce que vous avez chaud? Oui. Pareil au niveau chaleur. Bah oui, c'est pareil. Et ben, on vlog la chaleur. Voilà. On nous a dit qu'il faisait bon. Il y a des gens qui viennent de faire un interview. C'est pas mieux là-bas, hein, c'est... Qu'est-ce que tu me fais? Ok, bye. On a reçu des bières, hein. On a reçu plein de bières. C'est sans alcool. Alors, après, il y a un twist, c'est sans alcool. Oh, crime. Et après, on a de la crème à la pêche. À la pêche, c'est bon, la pêche. C'est trop bon, à la pêche. Thomas, allez, allez. Et pour Thomas, allez, allez. Pour rire. Et pour Thomas, allez, allez. La poêle. Thomas, c'est lui qui nous envoie ça. Thomas, Marco et associé. Enfin, c'est plutôt Julie. Ah, Julie. On va tous être bourrés dans cette rédac, ça va être marrant. On partage en deux, tu t'es bien. Mais moi, je suis intolérante au gluten. Tu peux pas avoir de bière? Je peux pas avoir de bière. Alors, on a reçu une boîte mystère de la part de Sony pour Les 7 mercenaires, le film qui sort. Est-ce que c'est marqué le 28 septembre au cinéma? J'ai révisé. Du coup, c'est un unboxing mystère, donc on va voir ce qu'il y a dedans. Une recette de cocktail, une carte du film. Ah ouais, il y a Chris Pratt dedans. Il veut pas venir te dire coucou, Chris Pratt. Ouh, des cartes à jouer qui m'ont l'air fort jolies. C'est pas le truc, tu sais, pour marquer les bœufs, ça si. Comme t'avais si, fait. Si, c'est pour les steaks. C'est pour marquer tes grillades de barbecue. Tu ou fais les personnes la qui ont un peu trop abusé. Un t-shirt. Est-ce que c'est fini? Non, jamais. Je ne vous oublie pas, non, jamais. Exactement. Je crois que c'est fini. Bon, bah j'en ai foutu partout. Salut, SML. Eh, hey, salut toi. J'adore ton creux de moi dans ma vie. Dans tout ce que je fais, mes premiers amours. Salut. Qui es-tu? Bienvenue au vlog. Moi, c'est Camille, du coup Space Dandy sur le forum. Et je viens apporter un magnifique gâteau vegan, même si Clémence n'est pas là. C'est un cake à l'orange. Il a l'air très beau et ils sont très bons. Qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui, Ryan? Alors, on a vu la conférence de Jean-Marc Morandini en live. Est-ce que c'était mieux que Les Feux de l'amour? Ouais, de ouf. Bah, Le Feu de l'amour, voilà, c'est ce que j'ai dit. Parce qu'en plus, Les Anges, c'est fini, du coup, on n'avait plus rien à regarder, quoi. Et là, c'est ça qui est tombé, et voilà, c'est pour ça qu'il est 18h23 et je suis encore là en train de travailler, quoi. Coucou le vlog. Salut le vlog. Pour Ali Elie qui ne savait pas utiliser la petite cam. Oui, on ne sait pas, mais on apprend tous les jours. Bah oui, chère mademoiselle, on développe tous ces talents. Voilà. Tous. Voilà. Une vraie pépinière. Une pépinière. Ah oui. Une pépinière de talents du web, ça. Écoute. Qui vont tous percer. Et puis des arnaques. Salut. Mais qui es-tu? On ne t'a jamais vu? Mais non, on m'a jamais vu. Ici, normalement, c'était la place de Nathan et il n'y a pas Nathan. Qui es-tu? Présente-toi, on ne t'a jamais vu. Je suis la nouvelle Nathan, du coup. Tu es la nouvelle Nathan, mais tu as peut-être un prénom quand même. Je m'appelle Lina. Elle s'appelle Lina. Voilà. Et elle va être avec nous pour combien de temps? Pour 6 mois. Pour 6 mois, oui, voilà. Bon. Elle est très gentille, Lina. Oh, merci. Ah, bah, je t'en prie. Ça va, tu te plais, mademoiselle? T'as le droit de dire non. T'as le droit de dire qu'on fait beaucoup de bruit et qu'on mange des trucs bizarres. Écoute, ça passe. Ouais. J'ai mangé des algues à midi, donc je peux pas trop vous juger. Voilà, c'était Lina. Coucou le vlog. Ce matin, je vous ai parlé un peu des injustices de la vie parce qu'il y en a qui se lèvent le matin pour aller bosser et tout. Il y en a d'autres qui vont voir des brouillards comme moi. Je suis trop contente, voilà. Ce matin, en fait, je vais aller voir une présentation de Koh-Lanta à l'île au trésor avec en présence de Denis Brouillard. Voilà, je suis saucée. Je vais essayer... de pouvoir vloguer Denis Brognard, mais c'est pas sûr parce que souvent ils nous disent non, la caméra c'est interdit, donc voilà, on va tester. Donc là je suis dans la salle de diffusion de Koh-Lanta les trésors et il y a personne, je suis toute seule, donc je vais essayer de me mettre tout devant, juste là. Denis sera là et moi je serai là. Donc comme vous pouvez voir, je suis vraiment toute seule en fait parce que je suis venue trop tôt, j'étais trop pressée et du coup le mec m'a mis de la musique pour m'ambiancer en attendant l'arrivée des autres et du coup
J'ai ça devant moi. Trop ému. Bonjour à tous, est-ce que ça va? Oui. On rentrera un petit peu plus dans les détails de ce tournage au Cambodge avant de vous présenter le premier épisode et j'espère qu'il vous plaira. Voilà, je sors de la projection du prochain Koh-Lanta, l'île au trésor avec Denis Brognard et ça va être trop trop bien. J'essaie de vlogger avec Denis mais il pouvait pas trop, il y a trop de monde autour de lui, après il devait faire son ping-pong et tout donc c'était pas trop possible. Léa, si tu comprends pas ce que je dis dans le vlog, quand je filme, n'hésite pas à me sous-titrer comme les gens du Nord, je m'en fous, je me vexerai pas. Je remets les gens à leur place parce que personnellement j'étais pas du tout émo quand j'étais plus jeune mais j'écoutais beaucoup de rock. Et il y a certaines personnes ici dont je tairai le nom parce qu'on va éviter un bâchage médiatique. Voilà. qui disent que Blink 182 c'était émo, ainsi que Green Day. Non, mais alors sur la page. Mais Evanescence c'était émo. Ah bah il y a liste des groupes émo sur Wikipédia, voilà. Ouais, on va se mettre d'accord. Depuis quand Wikipédia c'est une ref, sérieux? C'est quand même les profs disaient que c'était une ref. Non non, n'hésitez pas à vous clasher également dans les commentaires parce qu'on adore les clashs. On vit en 2003 aujourd'hui. On débat sur est-ce que ce groupe est émo ou pas. Source Wikipédia. Elle n'est pas acceptée Wikipédia comme référence, vraiment pas. En fait, c'est parce qu'on parlait de Damien Saez pour des raisons qui nous regardent et qui regardent que nous. Et du coup, je peux imiter Damien Saez. Si bien. Ça, quand on souffle l'avenir, fait un raviver les bras, ça. Tu fais naître la flamme. Quand perdu dans le gouffre, tu sais plus où est l'âme. Voilà. Est-ce que tu as des tips sur comment bien imiter Damien Saez? C'est quoi les étapes? Les étapes, c'est. Pas trop articulé déjà. Avoir roulé sa bosse, simplement. Avoir roulé sa bosse. C'est être lucide sur le système. Être lucide sur le système, être contre-courant toujours, on est contre-culture. Tu vois, c'est. Tu sors la haine, mais d'une manière nonchalante. Le truc d'Universal. Oui. Salut, ce chico. C'est dingue. Ce pot de l'année. Mimi, on montre celui de Fab, il est en vacances. Bah non. Est-ce que vu que je fais de la littérature jeunesse, ça peut être pour moi ou pas? Mais c'est pour ses filles. Ah oui, c'est ça. Il est doux, hein. Ouais. C'est vrai, ses filles elles sont grandes. Ça te fait penser à ton petit lapin à l'instant. Ouais. Hurlant. Salut les invités. Salut. C'est le vlog. On va venir faire quoi par là? C'est en train de dire bonjour parce qu'on est pas très poli, on est pas pour un milieu d'après-midi quand même. Vous avez raison. C'est un peu mouvementé là. Hein. Oui, c'était très calme. Attends, on va faire un truc avec Ryan. Attends, une peluche, ça fait. T'es prête? Écoute ce qu'elle fait cette peluche. Elle parle. Écoute ce qu'elle fait. Oui, j'aime beaucoup ton t-shirt. Merci, c'est fraîche. C'est mon t-shirt préféré. C'est fraîche. Arrêtez la canicule, s'il vous plaît. C'est vrai que je sois debout, ça. C'est vraiment rien. Elle fait donc la choré, je précise au cas où. J'ai le temps. Quoi? Lucie? Oui. Qu'est-ce qu'il y a? Bah, je suis un peu contente. Pourquoi? Parce que... Faut que tu cries parce qu'on est loin là. Je suis un peu contente. Non mais c'est un peu ridicule. Parce qu'en fait je suis un peu fan de Katy Perry. Et il y a les comptes de Katy Perry France et Katy Paris. Katy Paris et... Liban qui m'ont retweeté. Je pense pas que ce soit très officiel. Mais ça suffit à la fin de la journée. C'est une reconnaissance en fait. Elle m'a saoulée pour qu'on parle de ça. Elle est où, meuf, elle en peut plus. Alors, c'est l'atelier Mademoiselle numéro 3 avec Fresh, qui est une application de rencontre plutôt sympa. Et donc, on fait un petit atelier. C'est trop mignon. Morito, petits bonbons. On a Mélanie qui nous fait des petits origami. Trop chou. Et on va bien s'amuser. Et c'est toi qui as fait ça parce que Margot est en vacances. Oui. Tu l'as fait toute seule. Tu l'as fait toute seule. On va manger des glaces. On va manger des glaces au cocktail. On va manger des glaces, on va manger. Oui, parce que forcément le développeur est venu s'incruster. Bah oui. Je viens de le savoir du coup. On m'a dit qu'il y a des glaces, il y a l'alcool, il y a des trucs filles à manger. Ah, il y a des filles. Ouais, ouais. Ouais. On est bien là.
Pour manger un truc. Oui. Regarde là. Et toi, tu te connectes tous les jours sur une appli de rencontre? C'est souvent quand je me fais chier, quoi. C'est souvent aux chiottes que je me connecte. Quand je veux passer le temps, quoi. Ouais. Mais vraiment, c'est quand je m'emmerde. Oui, souvent, oui. Ouais, quand même. Bon, ouais. Ouais. Alors, elle est célibataire, quoi. À 18h pour un nouveau vlog. Écoutez là, ça a 15 ans. Pas grave. Lina, ça fait plaisir quand elle est là. Ah, ça oui. Les petits pingouins. Le petit pingouin.